Ok les amis, bah, salut tout le monde, salut salut. Bah, on est parti pour une nouvelle petite histoire sur un nouveau dino. C'est sur l'Acrocanthosaurus bah, juvénile du coup. What the fuck? Prends un couille là-bas. C'est le bordel. On va se cacher vite. Donc du coup. Ouais, du coup, faut pas trop rester visible, j'ai l'impression. Bon, du coup, un peu le bordel là, ce début de vidéo. Donc, du coup, alors les stats. Quand il est petit, donc juvénile, hein, il fait 950 kilos quasiment, 90 de force. Donc, c'est un beau bébé quand même. Il met à peu près 4 heures à devenir full adulte. Donc, c'est assez rapide, ça va. Ouais, c'est rapide. Moyen quoi. Et du coup, bah, on a spawn sur la plage. C'est un peu l'endroit le plus pourri, quoi. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelques trucs à côté de nous. Bon, du coup, vous avez compris que c'est un dino give aussi. Et du coup, qui dit dino give dit serveur bordélique. C'est sur le serveur Azura, No Rules. Avec cette fameuse merde là, bon, tant pis, hein. Pas grave. Bon, on va pas rester ici, hein, je crois. Ouais, un petit Spino. Oh, un petit T-Rex mort. On va clairement pas rester ici, hein. On va se casser. Qui m'ont l'air un peu énervé tous là. Mais d'avoir beaucoup d'apex. D'ailleurs, en parlant d'apex, ouais. Ce dinosaure c'est le plus gros et le plus puissant. À part les apex. Du coup, il est vraiment énorme quand il est adulte. Bah, de toute façon, vous captez, il est déjà énorme petit. Donc voilà. Bon, on se barre. Hein. On se barre. On va faire un petit point cartographique vite fait. Alors, le petit point cartographique de Togmar. Ouais. Voilà, bah on est là. Vraiment dans un endroit full perdu, quoi. Entouré de montagnes. C'est la S. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? Moi, en vrai, là où j'aimerais bien aller, pour découvrir, hein, ça serait découvrir la map et tout. Ça serait pas mal. Ça serait d'essayer d'aller vers ici, là. Vers cet endroit-là. Je sais pas du tout ce que ça donne ici. Alors, pour aller là, par où passer? Est-ce que par là, c'est faisable? Casse-toi, toi. Je sais pas si c'est faisable par là. Bref, on va aller là déjà. Estuary Toro. On part de Western Coast pour aller bah, tout simplement à Eastern Coast. À Eastern Bay. Ok, ben on va aller à Estuary Toro. Donc c'est full est. Full sud-est. Ouais, dans tous les cas, je crois que c'est plutôt bon de partir d'ici, hein, en vrai. Beaucoup de dinos. Ici, en vrai, je suis pas sûr qu'on arrive à l'âge adulte. Donc, faut se casser. Go se casser d'ici. On va passer par la montagne. Hein. C'est un peu risqué, mais tant pis. Hein. En vrai, je me sens pas de faire tout le tour. Déjà que ça va être long. Hop là, le rocher. Alors, ce dinosaure, qu'est-ce qu'il fait de particulier? Oh. Salut à toi, petit Terry. Ouais, c'est fou le monde ici là. Pourquoi tu cours? Laisse-moi tranquille toi. Putain, c'est le bordel ici, c'est incroyable quoi. Beaucoup trop de dinosaures, wesh. On est combien sur le serveur? 130. Ah, quand même. C'est un champ de ça là-bas. Vas-y, je vais lui dire. Tranquille. Tranquille, gros.
Tranquille, tranquille, s'il te plaît. Peace. Peace, man. Il me détruit la gueule en 2 secondes. Hein. Tranquille, tranquille, mon pote. Mais c'est un petit en plus. Hein. Hop, hop, hop. C'est quoi ces manières? Il me détruit la tronche en 3 secondes. Hein. Vraiment. Ouais, faut vraiment se casser d'ici. Hein. En vrai. Oh, la plage de l'horreur quoi. Wouh. Bon, ça est sorti. Bon, du coup, en gros, j'étais en train de dire les caractéristiques de ce dinosaure. En gros, il met des énormes dégâts de saignement. Et voilà, c'est tout. En gros, c'est tout. Enfin, ouais, c'est sa caractéristique quoi. Mais en tout cas, sa caractéristique première. Vous avez vu ce serveur, je sais pas pourquoi. Quand on est au ras du sol, on voit à travers la map. C'est bizarre, enfin, bref, on s'en fout. En gros, sa caractéristique première, c'est qu'il est juste trop stylé, quoi. Il est juste trop stylé. Ah ouais, sa deuxième caractéristique, c'est ça. Vous allez voir. Voilà. Il a strictement aucune fucking endurance. Bon, en tout cas, jeune. Plus tard, je sais pas. Et il est très rapide aussi, je crois. Moi, ça se voit pas non plus, hein. On voit pas des masses. Mais il est rapide plus tard, quoi. Qu'il court à 42, un truc comme ça. C'est quand même très très fort. Bon, s'il court à 42 mais qu'il court 4 secondes, ouais, j'ai plus d'endurance déjà. En vrai, j'aime pas passer par les montagnes, mais là, il y avait pas le choix. J'allais pas faire tout le tour, et de 1 et de 2, la plage était un peu saturée d'apex, j'ai l'impression. Bon. Vas-y, go se barrer d'ici. Hein. En gros, nous on vise vers là-bas, je pense. Oh, déjà, c'est pas mal, hein. Il fait jour pour une fois. Pour une fois qu'on commence une vidéo et qu'il fait jour, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il fait jour pendant longtemps? 13h. Ah, ça va. Ça va nous permettre de faire un bon petit chemin avant de. Avant la nuit. Ah, je vous dis, la nuit ça va être AFK, je vais pas bouger. Vraiment. Je vais essayer en fait au maximum de jouer de jour. Parce qu'en gros pour YouTube la nuit c'est un peu l'enfer quand même. Un petit peu quoi. Donc on va essayer voilà de jouer de jour. Ce sera mieux pour tout le monde, sera mieux pour moi, sera mieux pour vous. Voilà, et tout le monde sera. Et ce sera mieux pour mon accro aussi. Et du coup tout le monde sera content. Voilà. On va essayer de faire ça. On va essayer de trouver un point d'eau. Moi je me suis barré comme un sauvage. Y'a rien là. Y'a que dalle. Mais en gros pour l'instant tant qu'on est petit faut vraiment éviter les autres dinosaures comme la peste quoi. Faut les fuir. Il faut les fuir. Parce que ben en vrai on connaît pas leur intention. C'est un serveur où il n'y a pas de règles donc bah ils peuvent te kill comme ça pour le plaisir. Donc bon, on va essayer de jouer tranquille. Bon, là à droite ça m'a l'air infaisable. On va passer par là, tout droit. Le chat. Là, c'est bon, on va les saouler. De toute façon on paraît tous anglais. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de français sur ce serveur, ce serait con. Alors, bon, ok, maintenant qu'on est là. Là il y a Great Falls par là-bas. Nous je pense qu'on vise là-bas. Hein. Là, ce qui est juste au-dessus de ma crête. Je pense que ouais, c'est par là-bas qu'on doit aller. Là il y a une rivière en dessous de nous. En vrai si on suit la rivière ça devrait être bon non? Bon ça va, c'est passé sans trop d'encombre en vrai. Ça va, c'est passé. No problems. Bah du coup, on va boire un coup déjà. Parce que il m'a l'air d'avoir soif notre petit accro là.
Et après, on va tracer tout droit par là-bas, à travers la montagne. Normalement, de l'autre côté, il y aura un lac. Et de ce lac part une rivière qui va tout droit vers la mer et vers là où on doit aller. Donc, après, on va suivre tout simplement la rivière, quoi. Je pense qu'on va faire ça. On va pas suivre cette rivière-là. Ça nous fait un gros détour. Puis ça nous fait passer par Great Falls. Et Great Falls sur ce serveur. Je suis pas sûr que ce soit un bon plan, quoi. Bon, par contre. Ouais. Encore des. Des corniches, putain, ça c'est des corniches, les gars. Hein, au passage. À chaque fois, je parle de falaise et tout ça, mais ça c'est une corniche. Non, en vrai, ça c'est peut-être une falaise. Je me suis énervé pour rien. Aïe aïe aïe, mes études. Mes études qui commencent à être loin. Aïe 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 aïe. Normalement, ça c'est une corniche. Hein. En vrai, la différence entre une corniche et une falaise, c'est qu'une corniche. Enfin, une falaise. C'est une barre rocheuse qui tombe dans la mer. Et une corniche, c'est une barre rocheuse tout court. Voilà. Et ça, en vrai, c'est une barre rocheuse qui tombe pas dans la mer, quoi. Donc ça devrait être une corniche. Parlons avec les bons mots. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parlons avec les bons mots, s'il vous plaît. Je suis pas en craquage pour l'instant. Voilà, par exemple, ça là-haut, c'est. Franchement, c'est dégueulasse hein, de voir le sol comme ça là. Ça là-haut, c'est des. Ça, c'est des corniches. C'est pas trop vertical, mais ça ressemble à des corniches. Bon, on va traverser. Putain, par contre, il n'y a aucun pop d'Ava. Hein. Enfin, d'Ava d'IA, quoi. En général. Du coup, go passer tout droit. C'est vraiment pas beau ça, hein. Je sais pas pourquoi c'est comme ça sur ce serveur. Dommage. On va d'abord traverser, on va cramer notre stam et on boira de l'autre côté. Comme ça, quand on va boire, on va reprendre notre stam. Et voilà les gars. 3000 IQ. Ça va, il m'a l'air de nager assez bien lui, hein. Tu m'as l'air de nager, c'est bien, mon pote. Il est trop stylé ce dino. Hein. Bon, maintenant go boire. Alors là, ça va prendre 1 heure. Là, ça va prendre 1 heure, les gars. Ouais, là, ça vient de monter, mais c'est du fake, hein, vous allez voir. Là, je vais tout vous laisser pour voir ce que. Pour que vous sachiez quand même ce que ça donne. Ce que j'endure à chaque fois qu'il a soif. Oh que non, là c'est pas plein. On est qu'à 80%. Ça doit être bon quand même. Ouais, c'est bon. En vrai, vous voyez, c'est quand même long. Hein. Encore là, il avait pas trop soif. Bon, bon mais du coup, on continue le chemin par là-bas. Tout droit. On a quand même 86%. Bon. Je pense qu'on va gros cette nuit. J'imagine. Peut-être au matin, ça serait cool. Ça serait cool. Et n'empêche qu'il faudrait qu'on se trouve un truc à bouffer parce qu'on a toujours pas bouffé depuis qu'on a spawn. Donc quand même. Ça serait bien qu'il y ait un petit truc quoi. Parce qu'on courrait bavé pour un truc à bouffer. Il faut manger, c'est l'heure de la chasse. Le soleil couchant. La croquantosaure se met à chasser. Spotel. Et ouais mon pote. Ah, petit freeze.
ça fait du bien ça. Merci à toi en tout cas. What? Plus rien. Je suis à 100%, bon. Allez go continuer le chemin. Du coup c'était par là-bas je crois. Voilà. Go continuer le chemin. En vrai cette nuit on va se stopper. J'aimerais bien atteindre juste l'autre côté avant la nuit. Bon je crois que c'est mort hein. Mais ça serait cool d'atteindre au minimum l'autre point d'eau quoi. Ça m'a l'air loin quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée de partir maintenant. Ah ça c'est pas cool comme son. Oh que non c'est pas cool. Bon je crois qu'on est bientôt arrivé de l'autre côté. De toute façon il commence à faire nuit donc on va pas tarder à se poser hein. En vrai j'ai vraiment pas envie de croiser notre dinosaure. Vraiment pas envie. Là je suis trop faible, mon dinosaure est beaucoup trop faible pour se battre. Et en fait il est très gros aussi donc je suis facile à tuer quoi. Je suis très facile à tuer parce que la tête de mon dinosaure, la hitbox elle est énorme. Pour le la possibilité de défense que j'ai quoi. Bon en vrai normalement je devrais tomber sur l'eau là. Pas longtemps. Après là le truc c'est qui dit eau dit clairement joueur quoi. Ah c'est une certitude hein. Parce que je vais pas vous le cacher, j'ai fait plusieurs parties. Alors on va mettre vision de nuit. J'ai fait plusieurs parties avec la crocantosaure. Si vous la voyez sur YouTube, ça veut dire qu'elle est validée. Ça a pu donner quelque chose d'intéressant. Mais en vrai, à chaque fois les points d'eau, j'ai compris que sur ce serveur, c'était le rendez-vous de tout le monde. Et parfois, avec des dinosaures pas très sympathiques autour quoi. Donc bon, pas forcément le top quoi. En vrai ma rivière là-bas était pas mal hein. Bon. Après aussi ce qu'il faut se dire c'est que niveau RP et tout, ouais, il y a des dinosaures herbivores et carnivores qui sont ensemble au point d'eau. Mais en fait, si vous captez dans la réalité, hein, dans la savane ou quoi, quand il y a un point d'eau, il y a tout le monde. Il y a des lions, des crocodiles, des gazelles, des gnous, des girafes, enfin ils sont tous ensemble. Hein. Ils sont tous ensemble au point d'eau et c'est pas pour autant que c'est la guerre mondiale hein. Donc en vrai ça c'est plutôt cohérent. Ce qui est un peu moins cohérent c'est quand tu attaques un pachy et qu'il y a un T-Rex qui vient pour te casser la gueule parce que tu as frappé son pote quoi. Bon là j'avoue là c'est niveau RP c'est un peu moins bien quoi. Après du coup c'est pas un serveur RP hein. Bon quand même c'est genre le truc qui fait un peu chier. Bon je suis plus très loin. Attends, ça m'a l'air d'être chelou là, non? Ça m'a l'air clairement d'être en bas de... pas du tout là où je suis, quoi. Ouais. Ah. Ok, une petite rivière. Bon, bah très bien. On va s'établir ici pour la nuit. Voilà. Olé. Ça par contre c'est vraiment pas cool. En vrai là faut que je me fasse giga discret. Je vais clairement pas bouger cette nuit hein. Clairement pas. J'espère juste que ça va pas me tomber sur le coin de la gueule. On va s'éloigner un peu par là-bas quand même. On va s'éloigner de ces bruits de dilo horribles. Bon du coup, on va passer la nuit ici sans bouger. En vrai ouais, je vais rien faire, si ce n'est aller boire. Et c'est tout. Donc j'espère que ça se passera sans encombre. Et je vous reprends demain matin. Au petit matin. Aux premières lueurs du soleil. Bon bah évidemment, voilà on a gros pendant la nuit. Hein. Voilà évidemment, on est à 100%. Donc je pense que bah, on va passer. Hein. On va passer les gars, c'est pas grave. Hop là. Ouais, il est un peu plus gros. J'ai pas regardé ses caractéristiques, mais c'est les mêmes. Sauf la vitesse qui a évolué. C'est les mêmes normalement. Elle reste égale. Mais du coup, ben, on se retrouve avec un dinosaure plutôt en PLS.
Ouais, bon déjà on va boire pour commencer. On est vraiment pas discret là par contre. Là, il nous faut quelque chose à bouffer hein. Oh que oui. On va continuer notre voyage vers l'est de nuit du coup en essayant de trouver quelque chose à manger hein. Et du coup, la vitesse a quand même pas mal augmenté, hein. Je crois à 42 maintenant, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est ce bruit, je crois que c'est un carnot. En vrai, je peux pas l'affronter, hein. C'est mort. Hein. On commence à avoir quelques dinos là, j'ai l'impression autour de nous, mais pas d'IA quoi. Non, 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 pas d'IA, c'est la crise. Ce bruit. Pas ce que c'était. En tout cas, ça avait l'air un peu gros. Ah, putain, y a rien à bouffer ici. Oh, y a un carnot là-bas là. Ah vas-y, je me casse direct. Direction opposée. Ouais, c'était bien un carnot du coup. C'est gentil. Allez, s'il te plaît, m'embrouille pas. Hein. M'embrouille pas, bro. I don't control the shunt. Je sais pas à qui il parle là. Ouais, je pense qu'il est plus fort que moi. Là. Je sais pas si je peux me le faire. Je suis pas fan que ça derrière moi comme ça là. Alors reste calme. Je sais vraiment pas si je peux l'attaquer. En vrai, je vais crever de faim au bout d'un moment. Hein.
Je pense que je suis plus fort que lui, mais je suis pas sûr quoi. Je comprends pas ce qu'il dit là, tout à l'heure il parle à tout le monde, enfin c'est pas grave. Arrête de me faire chier, tiens, il passe à travers moi et tout là. Il me rend fou lui. Je pense que je vais le bouffer hein, en vrai de vrai. Qui ne tente rien à rien on va dire. Je suis en train de crever de faim, il y a 0 IA qui spawn. Je pense que je vais être obligé de me le faire. Hein. Mais en vrai, si je commence à l'attaquer, je suis pas sûr de pouvoir le tuer rapidement. Et après. Il pourra peut-être me tuer quoi. En vrai j'ai vraiment la dalle. Hein. Je sais que vous voulez que je le tue. Ouais, ouais cool, bah juste pour ça, vas-y. Hein. Jamais je rattraperai jamais. C'est ça le problème. J'ai mis 4 de bleed quand même. Ah, un petit truc à bouffer là. En même temps, tu dégages. Ouais, je l'ai quand même bien défoncé hein. En vrai je l'ai bien défoncé. Ah mais j'étais oublié, il fallait que je bouffe quoi. Putain, t'es sérieux là? Je suis à combien de bleed? Hein? Ah ça va, en vrai il se répare vite tout seul ce dino là. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. En vrai, on a bien avancé, on est devenu subadulte.
On a fait un petit fight, on a la moitié de notre migration, je pense. On reprendra ça dans l'épisode 2. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces et tout qui font plaisir, hein. Et je vous dis, rendez-vous dans l'épisode 2. Ciao, guys!